Né à Philadelphie en 1851, Arthur Burdett Frost s'inscrit dans la continuité de Töpffer. Il explore les possibilités du récit séquentiel dans les pages des revues humoristiques Puck, Life ou encore des magazines Scribner's ou Harper's New Monthly. Sa production pléthorique en fait un des artistes graphiques américains majeurs des années 1880 à 1920. Il est considéré comme un des pionniers de la bande dessinée américaine. Une anthologie de son travail a été éditée chez Actes Sud en 2003. Elle regroupe Stuff and Nonsense, publié en 1884, The Bull Calf and Other Tales, publié en 1892, et Carlo, publié en 1913. Nous allons nous intéresser à trois œuvres qui interrogent le goût de l'artiste pour la décomposition du mouvement dans le dessin. Dans cette première planche, il représente ici un peintre d'un certain âge. Apparemment un peu miro, il est installé devant son chevalet où trône une peinture d'un cheval au galop et il tient dans sa main droite un cliché photographique qui représente six poses de la course d'un cheval. Ce cliché semble appartenir au photographe anglais Edward Muybridge, dont les photographies décomposent les actions, les mouvements accomplis par un corps humain ou un animal. Frost s'amuse à représenter malicieusement ce peintre sous les traits de Muybridge lui-même, en lui affublant cependant un nez grotesque pour ne tromper personne sur ses intentions. Il s'agit bien ici de la querelle des arts anciens et modernes, où la peinture et la photo s'opposent. Frost caricature ce peintre qui est dubitatif devant cette série de photos. Celui-ci s'adresse au public. On peut raisonnablement penser qu'un homme de mon âge et de mon expérience sait comment un cheval se déplace. Et vous voulez que je refasse mon éducation sur la foi de vos clichés ? Il semble dépassé par ce nouvel art qui condamne son travail au musée des vieilleries. Frost place d'ailleurs le squelette d'un animal préhistorique en arrière-plan du peintre pour appuyer son propos. Il a conscience de la contribution essentielle de Muybridge à son travail de dessinateur, qui n'a de cesse d'interroger la décomposition du mouvement dans le dessin. Dans cette deuxième œuvre, les réactions paroxystiques du chat qui a avalé de la morora en sont un bon exemple. Frost applique les enseignements d'Edward Muybridge ou du photographe français Étienne Jules Marais à ses histoires dessinées, créant des enchaînements particulièrement dynamiques. Le chat emprunte des trajectoires faites de chutes, de chocs, de sursauts, etc. On assiste ici à un découpage rigoureux de l'action décrite par phases successives. Les légères modifications entre chaque case permettent au lecteur de reconstituer mentalement la vraie cinématique de l'action, tout comme dans les planches photographiques de Muybridge. En 1913, alors qu'il est venu s'installer en France avec sa famille, Frost donnera un troisième livre, Carlo, qui constitue la chronique de la vie d'un chien à la ferme. Dans l'épisode le plus long et le plus étonnant du livre, le chien Carlo est rendu hystérique par un chapelet de boîtes de conserve que deux mauvais plaisantins ont accroché à sa queue. Cette situation inspire à Frost une suite de 14 dessins dans lesquels il semble que le chien traverse l'image à une telle allure que le dessinateur ne parvient pas à fixer son passage et ne peut en montrer que les conséquences. Frost trouve dans ce procédé un moyen astucieux de représenter le mouvement. La trajectoire dynamique du chien Carlo est bien visible, mais il semble que l'opérateur de prise de vue photographique ait appuyé sur le déclencheur un peu trop tard. Cette représentation illustrée de la trajectoire d'un sujet est une réponse malicieuse au procédé photographique de Muybridge et un moyen pour Frost d'affirmer les spécificités de son art. Winsor McCay, le créateur de Little Nemo in Slumberland, saura reconnaître en Frost un maître et l'un des pères de la bande dessinée américaine.